J'adore ces vautours quand ils crèvent. Ils sont le cou extensible à mort. On dirait des dindons. Connard. La transition. La dame d'admission. Ah non, s'il te plaît. La transition ou quoi? Non, j'aimerais éviter de gerber ce soir. La trans... Ah oui. On est génial. Oh, j'ai compris, mais au bout de 10 secondes, je suis désolé. C'est d'ailleurs pour ça que dans un meeting, pendant la Gay Pride, réservé aux hommes et aux trans, vous dites « Messieurs et mesdames, dames !» Ah putain, ne change pas, Opsi. Il va falloir que je le change, ne serait-ce que les piles de ma souris au bout d'un moment. Non, mais change pas qui tu es. Pourquoi faire? Bon, tant mieux. Je suis bien comme ça. Pourquoi pas? Baston. Pourquoi pas? Oh, ta gueule, hein. J'ai un moyen d'énerver au psy. Ouais, mais... Joue pas ça avec moi, tu sais très bien que tu serais perdant. Pourquoi pas? Non! Non, arrête, putain! Sérieux! En plus, si j'avais la diarrhée, là... Je force tellement sur les abdos parce que j'ai envie de gueuler. Et je prends un mauvais réflexe, là. Je suis en train de prendre la voix d'officiel d'ennemi. Tu sais quoi, tu fais « Oh, je suis trop méchant !» Comme ça. Salut Francky, je sais que tu ne regardes pas, mais je regarde. J'adore cette voix quand il l'a fait. Ah la bien. Mes souliers, mon galon. Mes souliers, mon velours. Et en fait, quand il fait cette voix, ça me fait penser à Cartman. Quand il dit « Mais trop méchant !» Ça fait « Putain, les mecs, je le canis !» Je t'adore. Mais ennemi, de toute façon, je t'aime. Voilà. Je t'ai toujours appelé maître ennemi. Voilà. T'es un maître et une moitié d'un autre maître. Il est grand, il fait 1,5 mètre. C'est ça. C'est un gars bien. Et tu ramasses pas ça? Oh, j'en ai tellement. J'ai ma femme. Pff. Non, tu sais, je peux pas tout ramasser. Gros connard. J'en ai marre de ramasser. J'ai déjà ma femme, bon. C'est pas parce que t'as seulement 200 en encombrement au max que il faut faire ton difficile, hein. Non, là, on fait quoi? On les fait tous ou on fait juste le bon? Ouais, juste le bon. Ok. T'as de la chance, je me souviens du tout. Oui, bah, moi aussi, Ramsès. Alors, ouais, explique. Ici, c'est un peu la fin de l'acte 2 de Diablo 2, c'est pareil, vous avez 36 000 tombeaux, faut trouver le bon. Sachant qu'il y en a qui connaissent. Bah, ils avaient déjà les téléphones portables à l'époque. Donc nous, c'est pas qu'on veut finir la série le plus rapidement possible, hein, mais c'est un passage chiant, parce que les couloirs, c'est sans fin. Donc on vous amène directement. Puis voilà, c'est notre décision. C'est sans appel. Voilà, vous avez plus que les SMS. Sans appel. Ouais. Mais là, tu vas te calmer là. J'en ai marre là. Pour me calmer, j'ai du tramadol si tu veux. Toujours une boîte avec moi. Je vois pas le rapport. Moi non plus. C'est un huitième, je crois. D'accord. Bon, bah tiens, merde, putain. Attends. Pour un quiz, je viens de trouver. Donc, ce sera en rapport, c'est pas bien difficile.
Toujours pareil, hein, sans trouver sur le wiki et tout le bordel. Il y a d'autres moyens. On dit toujours que les scorpions ont une peur panique du feu. Ça, c'est pas une question, c'est une affirmation. Je vous le dis, c'est faux. C'est totalement faux. Dites-moi pourquoi. Ça fera un quiz. Ouais, mais il est nul, hein. J'ai pas d'inspiration. T'as de l'inspiration, toi? Non, alors ta gueule! Ouais, je suis sponsorisé par Roventa. Non, j'ai pas dit de l'aspiration. Attends, je décapsule ma bibine. Oh Parce non! que moi. Eh, arrête, c'est dégueulasse, putain! Eh, c'est pas moi qui vais me forcer à plus m'en acheter. Putain, fais chier! Qui est le con qui a dit Kazoo, tu ne boiras plus jamais d'alcool. Je sais pas, je crois qu'il s'appelle Kazoo. Ok, mais quel connard ce mec, il croit qu'il peut tout décider dans ma vie. Tiens, mon chou. En... Une pelle forte en plus. Arrête, parce que là, franchement, je vais m'énerver, mais pour de vrai. C'est horrible ce que tu fais. Je me vois encore ce matin devant le rayon à me niquer, oui, m'exploser le bras pour me forcer à ne pas prendre de Grimbergen ambré. Là, c'était une blonde. Putain, t'es vraiment un connard. Ah, tu me connais, c'est pour ça que tu m'aimes. Non, mais là, par contre, je suis vraiment énervé, là. Rien à foutre, demain matin, je vais Intermarché, j'en achète. Ah ouais? Non mais c'est juste que je comprends pas pourquoi tu. Tu vas de manière aussi. Là, Comment on dit? je vais te dire pourquoi. Là, à mon avis, ça me c'est moins dangereux pour moi parce que je sors de mon étape pas top. Et vu que là j'étais en plein dans ma mouise, eh ben j'étais tenté de boire beaucoup, voilà. T'arrives pas à te limiter. Mais là maintenant je sais que je me limiterai sans problème. C'est un Donc je pourrais tout à plaisir fait en de vous racheter comme avant. rencontrer. Au revoir. Donc c'est ce que je ferai dès demain. Ou lundi, enfin je sais pas. Deux packs même. On se voit tout pack. Une Grimbergen ambrée. Surtout plus jamais de Grimbergen blanche. Ah, t'es pas fan toi non plus. Ah non, mais j'avais l'impression que ça avait été régurgité et vomi par un chien à plusieurs reprises. Par contre, ce que je vais prendre avec la Grimbergen ambrée, une bonne Guinness. Ah, là, Alors, voilà. Là, une fois toute. on se Et parle. je dis pas non. Bonne J'aime bien. Guinness. Bien J'aime noire, bien là. avec une bonne mousse. T'arrêtes? Quoi? Parler quand je parle. Ouais, mais on fout toi aussi, tu parles pendant que je parle. Oui, c'est parce qu'on parle pendant qu'on parle. Bien noir avec une belle mousse. Ah bah, c'est une stoute, quoi. Faut que j'aille en Irlande, en tout cas. Allez, viens avec moi. Puis comme ça, on remonte sur l'Écosse après, parce que ça, c'est une étape obligatoire. Et après, on va faire des bars de Londres en gueulant partout. Manchester Arsenal, c'est de la merde. Ça te dit? Allez. On n'est pas du tout suicidaire. On se fait des bonnes jackets potatoes à Londres. Côté de la jaquette? Ah, t'as déjà mangé des jackets potatoes quand même. Et c'est là où il y a la case de mon truc. Et je continue de faire la main.
Le classique Fish and Chips. Ouais, mais la jaquette, c'est encore meilleur. Bon, pour celles et ceux qui connaissent pas, déjà, honte à vous. Deuxièmement, la jacket potatoes. Faut prendre une bonne pomme de terre. C'est pas une pomme de terre de Lopette, tu vois. C'est une patate qui fait la taille de mes fesses, quoi. Donc, voilà. 4 mètres cubes. Donc, normalement, en fait, tu fais une croix au couteau à l'intérieur. Tu dessines une croix. Tu l'ouvres. Tu gardes la peau, bien sûr. La peau bien salée. La patate bien cuite à l'intérieur. Tu fous du fromage fondu. Du jambon. Mais pas du jambon de tapette. Si, c'est du jambon limite fumé, bien salé. Avec ça, tu mets du maïs. Du thon, de la mayo. Comment on appelle ça? Des pois, enfin des beans, des... Ouais, des haricots blancs. Et tu remets un peu de fromage dessus. Et là... Extase. Pas pour toi, je déteste le thon. Bah tu mets pas de thon. Ça, c'est des suppléments. Et où tu vas? Je finis là. Eh bien, il est là, Ramsès. D'ailleurs, j'ai appris que ce pharaon, il laguait un peu. Il rame, ça. C'est vrai. Et sinon, moi, je suis plus... Fred Fricadelle. Quoi? Fred Fricadelle, moi. C'est belge, ça? Oui. Ah, c'est marrant, parce que quand j'étais en Hollande, enfin, aux Pays-Bas, il y a les trucs qui s'appellent les fricandelles. C'est des frites avec des saucisses. C'est tellement bon ce truc. C'est plus ou moins ça. Ouais. Hell moment. C'est belge et ch'ti. Ik kan niet alles spreken in de Nederlands. Oh putain, j'ai tout perdu. I lost everything, man. J'aime pas les spectres, les sables. Pareil, ils sont trop... Ouais. Ce sont des salopes, hein. Deux heures de jeu. J'aime faire jojo avec toi. Pareil. Et là, on n'est pas sorti, hein. Parce qu'on va commencer Ramsès. Moi, je serais d'avis de te proposer quelque chose qui va pas forcément te plaire. Ça aurait été dès qu'on trouve une fontaine d'Ernest. Bah, dans le tombeau. Je préfère les tombes moches. Ouais, mais t'aimes pas le ton. Oui, au moins on sait pourquoi. Non, c'est mignon, petit ton. Parce qu'il est moche. Non, mais un petit ton. Coucou, j'ai un petit ton. Salut chérie. Pardon. Kazoo, elle s'appelle comment ta copine? Sopiquet. Les bons goûts de la mer. C'est un peu vague comme description. Oh! Pourquoi me chercher? Bah, moi je t'ai trouvé. Ah, c'est mignon. Oh. Non, arrête, putain. Arrête, sérieusement. Je vais vraiment m'énerver là. Tu casses tout là, c'était trop mignon le... Voilà, quand tu fais que ça, c'est très bien. Non, arrête, je sens que tu le mets là. C'est dégueu cette phrase, excusez-moi. Je sens que tu... Dans les time codes, retrouvez-moi ça. Sur... Non, ta gueule, je le vire au montage, je coupe le son. Rien à foutre. Non, non, non. Attends, tu tournes un truc, tu l'assumes. Non, je le fous au montage, je mettrai du Yves Duteil dessus. Va te faire foutre.
Putain, mais comment je peux dire ça? Ah, toi aussi tu t'es gouré, t'as pris tu là. Tchou, tchou. Oh mais arrête, hein, c'est bon, je sens que tu me mets là. Je sais. Ah bah non, pour le coup c'est pas vrai. Pour toi. Putain, j'ai pas envie d'arrêter l'épisode, non. Faut le faire en live la prochaine fois, comme ça tu pourras jouer autant que tu veux. Ouais, ouais, mais tu sais, ce sera des sessions de 2 heures, hein. Ce sera sensiblement la même chose. Bah tu peux le faire plus. Tu peux le faire plus long. Hein. Puis il nous troll, y a pas de fontaine. Il nous troll. Alors, avis à la population, il nous faudrait un profondeur, s'il te plaît. De préférence, de petite taille. De quoi il parle? Dans le jeu de rôle Warhammer, jeu de rôle sur table, il y a une classe pour moi qui est pourfendeur de troll. Vocation guerrier. Qu'est-ce que toi tu me fais de l'ombre? Effectivement. Oh, le DPS, putain. DPS, ça veut dire des passeurs, ouais. Non, c'est pas un truc pour avoir des chaînes télé. Ça existe plus maintenant. Mais tu parles. Ouais, donc dans les infos de la chaîne, je vais mettre mon Minitel. Donne mon fax. Je serais bien que t'en avais un petit. Salut tout le monde et bienvenue sur le fax du Kazem. Oh, tu te calmes là? Y en a pas mal qui peuvent te dire le contraire. Hein. Bon. Calme ta joie là. Calme la joie. C'est marrant que Maled t'appelle Gomme. Quoi? Bah, j'ai pris l'habitude maintenant, je t'appelle Gomme. C'est le diminutif de mon pseudo. Oui, alors pour ceux qui regardent la vidéo, Gomrod, c'est sur les jeux en général, quand je fais un bourrin, principalement tank, c'est Gomrod. Mes archers c'est toujours Horribald, mes prêtres c'est toujours Ankeld. En verlan ça veut dire un libertin italien. Rome God. C'était pas mal non? C'est un outil sexuel de clandestin. 1 sur 10. C'est une nouvelle pratique que j'ai, ça maintenant, c'est de rire aux larmes et de te donner une note de merde. Mais ça, je le fais surtout avec Alvi. C'est Fandar. Ah non, mais c'est off the dead, quoi. C'est ouf de lol. Babaston partout.
Griffe de loup. Griffe de loup. Je crois que tu fatigues un peu là. J'ai dit griffe de loup. Non, t'as dit œil de loup. Non, j'ai dit griffe de loup. Non, non, t'as dit œil de loup. J'ai dit griffe de loup. T'as dit œil de loup. Je m'en fous, il y aura. Je regarde ce soir sur la vidéo, je relis. J'aurais juste à faire lecture. T'as dit œil de loup. Je sais ce que j'ai dit. Tu l'as pris le samplon 95 qui est tombé au sol là ? Oui. Eh, ça carbure hein. J'ai mal au genou. T'as mal au genou ? J'ai ri mais c'est pas drôle mais j'ai bien aimé ton expression. Bah tu veux faire une petite pause là ? Non mais il est temps pour moi de prendre une Jeanne. Une vieille. Mais tu fais ce qu'il faut faire hein. C'est un jeu de mots. Une Jeanne calmant. J'ai pas compris. Jeanne calmant. Il est temps pour moi de prendre une Jeanne. Calmant. Toujours pas. Temps pour moi de prendre un calmant. Jeanne calmant. Bah oui, mais c'est quoi un j'aime calmant? Il est temps pour moi de prendre un calmant. Mais c'est quoi un calmant? Oui, un truc pour te calmer, quoi. Non. Mais ensuite, c'est quoi gel calmant? Jeanne. 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 Eh ben qu'est-ce qu'elle a? Oui. Jeanne. Jeanne. Eh ben qu'est-ce qu'elle a, Jeanne? Jeanne calmant, la doyenne. Mais c'est qui ça? La doyenne. Mais enfin, c'est plus la doyenne. Si c'est pas quelqu'un que je connais, moi je peux pas te dire. Bah c'était la doyenne française déjà et puis de l'humanité. La doyenne de l'humanité? Bah oui. Ça veut dire quoi ça? La plus vieille. La plus vieille femme du monde? En France c'est sûr, du monde à une époque. Bah Jeanne Moreau là. Non. Arrête de faire ton théâtre là. Mais je ne connais pas Jeanne Calment. Bon, maintenant c'est fait. Et excuse-moi de pas connaître la liste de tous les poilus, voilà. D'accord. Putain, mais y a pas de fontaine. Non mais tu rigoles, mais le problème c'est que moi ça veut dire que ça va faire 5 vidéos d'upload quoi. Et déjà que j'ai du mal à en mettre 4. Putain, mais vous aurez l'épisode 8 en 5 mois à mon avis hein. Vous aurez déjà que c'est difficile pour lui d'en mettre 4. À partir de là, je pense qu'on peut extrapoler. Non mais oh, putain. J'étais censé avoir une bonne connexion dans une semaine et en fait, je l'aurai dans 3 semaines. T'es où là? Eh ben, je faisais le reste qu'on avait pas fait. Là par contre c'est pas pour déconner, je replace mon PC parce que sinon demain je pourrais pas marcher, ce sera dommage. Prends ton temps. T'es cure-temps. Ça va mieux. C'est mon Lutz Golem. Bref, par contre, j'ai compris là. J'adore te piquer tout ce que tu veux prendre. Mmh.
Je crois que ce qui m'endort le plus dans cet acte, c'est les musiques. Tu fais super bien Shakira, je trouve. Voilà, Eva. Voilà, Eva. Quand je pense qu'elle se tape Gérard Piqué. Il est toujours drôle. Gérard Piqué, il est porteur du chikungunya. Puis il est un peu idiot, non? Il est un peu... Il est un peu piqué. Il se fait constamment voler. Putain, mais le débit de conneries qu'on a. Sean sera fier de nous. Oh oui, mon petit Sean. Je parle pas du chevalier d'Andromède. Sean fait une connerie. Et tu sais comment? Je t'écoute. Ces temps-ci, je regarde une série qui est franchement pas mal, j'aime beaucoup, après chacun sait. Bon, je vais le dire en français, ce sera plus simple pour tout le monde. Elementary. Je suppose que tu ne connais pas. Vu mon blanc, c'est que je l'écoute. Vu ton blanc, oui. Donc je t'écoute. C'est élémentaire. Oui, bah Elementary, c'est quoi? Elementaire, mon cher Watson. En fait, c'est ça, c'est une adaptation, un arrangement de Sherlock Holmes et à notre époque. Et ça se passe à nous. C'est un orque, c'est une vraie nouvelle. C'est ce que j'ai. Et ça se passe à New York, toujours dans la police. Hein, et puis il y a les grands classiques aussi. On trouve tous les éléments de qui font ce qu'est Sherlock Holmes, mais dans un univers contemporain. Alors, faut aimer Sherlock Holmes à la base. J'ai jamais été un grand fan. Est-ce que t'as lu du Sherlock Holmes? Non. Enfin, ouais, ouais, c'est pas la bonne expression, c'est pas que j'ai jamais été un grand fan, c'est que j'ai jamais été attiré pour lire ce genre de choses. Bah, enfin, on va pouvoir visiter des jardins qui sont quelque peu en hauteur. Et attends, elle va pas trop vite. Ça va, on lui fait la con. Il a vraiment une tête de poule. C'est marrant parce que l'autre fois, quand je jouais à Kingdom Hearts, premier du nom, et que j'étais à Agrabah, je le cherchais le Tolkien, mais je l'ai trouvé. Oh, mais ils sont nuls les Tolkien, sérieux. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ces monstres, mais c'est censé être les gros connards, les trois frères, les voilà quoi. C'est les inconnus et puis tu fais rien, ils sont morts. Tablette cunéiforme. On se doute pas du tout de l'endroit où on va aller juste après. Et il loue quoi? Déflecteur nubien. C'est un bouclier. Mmh. C'est pour toi et pour moi, c'est bien connu. Absolument. Surtout que toi, ton perso, quand tu tires à une main. Donc, quand tu regardes bien, tu te demandes pourquoi il pourrait pas avoir de bouclier, ton mec, quoi. Ben, c'est pour faire chier. Mmh. TP? Ouais.
C'est où, Teb? Teb, c'est bien. Non, mais il faut aller où? Teb, je suppose. Je suppose Icar, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, je sens la fatigue qui me gagne, là. Tu as vaincu le Telkin, jeune connard? Attends, Opsi, Opsi. Oui? Je propose qu'on s'arrête là. Bah oui, c'est pour ça que je suis allé activer la fontaine qui est juste là. Ah oui, c'est intelligent. Il m'indique qu'il a une quête, mais je peux pas lui parler. Moi j'ai plus. C'est un connard. Bon alors, la caravane. Ouais, et puis il me semble qu'on avait une quête secondaire dans un des autres tombeaux aussi. Ah non. Ah si, mais faut rentrer dedans. Bah. Ah tiens, j'ai une matière spectrale. J'ai posé ça devant le marchand. Rien à voir avec Guy. Merci. Devant le marchand. Ah bah tu les as virés alors. De quoi? Les charmes ils y sont plus. Non mais oui, je t'ai dit, je te ramène à la caravane. Enfin, je te... Mais c'est bon. Puis-je vous aider? Non, je vais m'écouter. Au revoir. Si si, mais je suis en train de perdre le fil. Le Collins. Bon, ah voilà, moi je suis prêt. Partez. Merci. Et puis si je me fais pas encore de... Un stock de potions... Bon bah les amis, on a bien avancé là, on va dans la prochaine vidéo, on va pas pouvoir faire autrement, on va chevaucher l'acte 2 et l'acte 3. J'aime quand on chevauche. J'ai senti que tu l'as mis. Donc voilà, on va finir l'acte 2 dans la prochaine vidéo, donc finalement on aura fait l'acte 2 en 3 épisodes, 4 ? 4. Bref. Oui, oui, 4. Donc c'est sensiblement la même chose que pour l'acte 1 qu'on a fait en 5 épisodes. Il reste encore pas mal de choses. Hein. C'est pas parce qu'on a tué le Telkin que c'est fini d'un coup. Il y a un peu de chemin. Et puis ensuite l'acte 3 qui est différent, qui a des décors. Enfin bon, vous verrez. Hein. Il y a plein de choses à découvrir. Ah, comment ? Un petit fond. Les petites marionnettes. Une petite titanette. Voilà, vous comprendrez plus tard cette private joke. En tout cas, on vous remercie d'avoir été là encore une fois, de continuer à commenter. Surtout qu'en plus, vous laissez encore plus de commentaires que pour d'autres youtubeurs, puisque à chaque fois, un épisode, c'est 4 parties différentes. Donc, et là, sûrement 5. Donc voilà, ça fait toujours bien plaisir. J'espère que vous aussi, vous prenez toujours du plaisir à nous regarder délirer. Et puis, on se dit une prochaine fois. Voilà. Opsi, un truc à rajouter? Je... Connard. Voilà. Caca. Bah allez, ciao tout le monde. Et merci encore.